merci père et, et bonjour merci de m'avoir accueilli quand le père Bruno m'a dit de venir vous savez il a dit il a parlé apologétique ça veut dire que on ne connaît pas assez le caractère absolument logique de notre foi et donc ce soir ce qui serait bien c'est que vous ayez compris ce qui nous arrive à nous chrétiens le chemin que Dieu est en train d'utiliser pour nous emmener à quelque chose et que ça serve avec Sainte-Thérèse d'Avila, hein, vous savez, grande docteur de l'Église, docteur mystique, et Saint Jean de la Croix, docteur mystique, que vous puissiez aider des personnes à qui ce que je vais vous raconter arrive. Seulement, vous allez voir, hein, ce n'est pas une conférence d'une heure, hein, ce n'est pas ça, c'est interactif. Donc comme il y a des parties qui sont assez complexes, on interrompt, on se pose des questions, le père a son micro, il passe. Vraiment, hein, je vous dis, c'est important. Donc, regardez, je commence. Hein, je commence. Ce qu'il faut comprendre. Vous savez, vous vous rappelez peut-être Saint Séraphin de Sarov. C'est un saint orthodoxe russe. Quand il était après 30 ans de vie érémitique, un jour, un compagnon est venu le voir. Il l'a emmené dans la neige et le compagnon lui a demandé Mais à quoi ça sert la vie chrétienne Alors, il est devenu tout lumineux. Dans la neige, il lui a dit, la vie chrétienne, ça sert à acquérir le Saint-Esprit. Et donc c'est ça que je voudrais vous montrer. D'abord, Saint Paul, il le dit autrement. Il dit, regardez le mariage. C'est un grand sacrement. Je veux dire, c'est l'union de notre âme avec Dieu. Donc simplement, dès le départ, Regardez les gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous, on est des chrétiens, pratiquement tous ceux qui sont ici. Vous avez vu cette angoisse dans le cœur actuel, et ils vont chez des psys, et les psys sont malades de la même angoisse, et ils ne savent pas ce qui se passe. Une des angoisses, n'est pas la seule, peut-être que ça fait trop de bruit, Je un peu plus loin, une des angoisses, c'est que notre cœur est un récipient énorme. Sans fond, qui ne peut pas être rempli d'autre chose que Dieu. Ça veut dire qu'on n'est pas des êtres normaux. Regardez, un chien, un chien qui vivrait cent mille ans. Dans cent mille ans, vous venez, il est heureux, il bat de la queue, il vous accueille. Nous, on serait condamné à vivre sur Terre éternellement. Au bout de, je sais pas combien de temps, on a envie de mourir, on en a marre. On n'est pas comme un chien. On a un cœur qui est fait pour être rempli de quelque chose qui est grand, qui est immense et on ne sait pas quoi. Saint Augustin nous l'a dit, hein. avant de te connaître, je t'aimais. Et c'est quand je t'ai découvert que j'ai compris ça, ce cœur. Eh bien, regardez, puisque je vous ai expliqué que c'était comme un vase, notre cœur, parlons de Dieu avant. Donc c'est un mariage, hein. il veut habiter dans notre cœur. Donc Dieu qui est il c'est le créateur éternel toujours il a été jamais il n'a commencé d'exister ça c'est important donc ce que je vais dire là attention hein, c'est très important donc ça va être compliqué mais c'est pas long c'est pas long c'est dix minutes de complication donc là on, on s'arrêtera pour les questions parce que si on connaît l'époux on comprendra notre cœur et ce qui va nous arriver après donc Dieu il s'avère qu'éternellement, il s'occupe forcément, c'est une personne, c'est quelqu'un. Qu'est-ce qui peut l'occuper éternellement C'est long, c'est gigantesque, c'est d'ailleurs euh, identique à son être. Qu'est-ce qui peut l'occuper alors que rien n'existe que lui C'est simple, lui seul. Nous, si on faisait ça, on serait égoïste. Hein. Lui, l'infini. Son éternité consiste à se connaître lui-même. Se connaître lui-même. Ça paraît bizarre. Hein je sais, je vous ai dit, ça va être compliqué au début, mais vous allez comprendre. Nous, quand on se connaît nous-mêmes, il sort un espèce de concept de notre tête. Vous savez, une idée vague et on ne se connaît pas bien. On ne connaît même pas notre visage. Regardez, fermez les yeux, essayez de vous représenter votre visage. On le connaît moins que celui de notre conjoint, souvent parce qu'on se voit moins souvent dans la glace, lui, il se connaît parfaitement, absolument parfaitement, et c'est son bonheur, et bien son concept de lui-même, parce qu'il se connaît, on l'appelle en latin son verbe, verbe. Et donc regardez comme c'est simple, puisqu'il se connaît parfaitement, parfaitement, et bien son concept est identique à lui-même. Lumière née de la lumière, vrai Dieu née du vrai Dieu, engendré non pas créé. Le verbe, c'est celui qui est devenu Jésus qui est là dans le tabernacle. C'est le verbe, c'est la connaissance éternelle que Dieu a de lui-même, c'est une personne. Il est lumière, il procède par connaissance. Et donc regardez, je vous parlais tout à l'heure de notre cœur qui est comme un gouffre. Eh bien, notre intelligence, est fait, elle est faite pour ça. Elle a envie, on ne s'en rend pas compte, hein, mais de connaître ce verbe, connaître la cause des causes, savoir pourquoi tout existe, etc. Notre intelligence est malade tant qu'elle ne connaît pas la vérité, et cette vérité, c'est le verbe. La suite, regardez, le Père, donc c'est lui Dieu, hein, son verbe, qu'on appelle aussi son Fils, c'est plus simple, c'est un langage qui nous correspond, s'aime infiniment. Ça jaillit l'un vers l'autre. C'est un amour immense. Et bien cet amour infini, qui est tout puissant, qui est absolument identique dans leur nature, on l'appelle le Saint-Esprit. Voilà, ça c'est Dieu, c'est sa vie. Donc c'est un jaillissement de puissance, c'est le Père, connaissance, c'est le Fils, amour, c'est le Saint-Esprit. Et donc regardez maintenant notre cœur humain, la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Hein, Ce n'est pas la grande Thérèse, c'est elle que je vais citer tout à l'heure. Elle disait, moi j'ai cherché quelqu'un qui pourrait remplir mon cœur, j'avais trop soif de quelque chose. Et je n'ai pas trouvé personne d'autre que toi, Jésus-Christ. L'amour, un amour qui ne se passerait jamais, qui ne s'arrêterait jamais, qui ne s'userait jamais, c'était toi. Et la lumière qui m'éclairerait sur tout, c'était toi. Et s'il y avait des enfants dans la l'église là je leur dirais et être capable de passer à travers les murs une puissance totale c'est le père ça nous sera donné donc regardez concrètement nous ne sommes pas heureux parce que nous ne sommes pas dans notre vrai lieu ici sur terre nous sommes au purgatoire c'est le premier purgatoire nous venons d'être créés donc tous euh, il y a moins de 100 ans Neuf mois avant votre, notre notre naissance, et nous sommes mis par Dieu exprès dans un lieu qui va durer 80 ans, mais qui n'est que le premier purgatoire. Il est en train de préparer notre cœur à ça, et donc c'est là que je voudrais avec Sainte Thérèse vous raconter qu'est-ce qui nous arrive. Et donc vous verrez, elle, elle ne parle que de nous chrétiens. Elle ne parle pas de la façon dont Dieu conduit les païens, mais Dieu il a des techniques aussi. Tous les hommes, hein, il est venu pour ça, donc. Résultat, si je résume, à un moment donné, Dieu décide de créer des petits êtres. Ça ne lui apporte rien, il n'en a pas besoin, il est parfait en lui même. C'est de l'amour gratuit pour nous faire partager son bonheur. Alors, comment se fait il qu'il nous crée sur terre? Alors, vous allez dire, mais ce n'est pas logique. Or, je vous ai dit, après, après cette heure là, tout doit être logique. Donc la question, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi il nous met maintenant sur Terre dans une misère avec un corps qui va mourir, qui va vieillir, etc. Ben, c'est que je n'ai pas tout dit de la Trinité. Il y a un truc que je voudrais vous dire maintenant et qui, je crois, est la clé de tout. Il s'avère, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que c'est spécial, leur relation. En fait, vous avez remarqué quand Jésus dit à un moment donné, quand il était sur terre, le Père est plus grand que moi. Vous avez trouvé que c'était logique. Vous ne trouvez pas que c'est un peu hérétique, le Père est plus grand que moi Dans le credo, vous savez ce qu'on dit Ils sont de même nature, ils sont absolument identiques. Et puis, le Père, à un moment donné, il dit Jésus, je l'ai exalté, je l'exalterai encore. Ça paraît bizarre. En fait, c'est très simple à comprendre. Il y a une propriété dans la Trinité. Chaque personne met l'autre au-dessus d'elle-même. Chaque personne dit, je ne suis que par toi, et c'est logique. Regardez, un père, ça n'existe que parce que ça a un fils. Donc le père peut dire, je ne suis que par toi, et c'est son être. Et un fils, ça n'existe que parce que ça a un père. Donc le fils dit, je ne suis que par toi, mon père, tu es plus grand que moi. Eh bien ça, c'est la clé. Dieu est infiniment humble dans ses relations. Et donc, regardez le problème. Nous, on se prend pour quelqu'un. Si on mourait maintenant, qu'on arrivait face à Dieu, on ne supporterait pas de le voir. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Euh, Est-ce qu'il y a un monsieur qui est comme moi, qui, quand il a été fiancé, s'est marié avec une jeune femme pour qui il aurait tout donné Levez la main. Voilà. Seulement, monsieur, si madame avait eu 80 ans, de la moustache, et puis euh, qu'elle pesait 180 kilos, vous l'auriez quand même épousée Pourquoi je dis ça Parce que quand je dis ça à chaque fois, les gens se mettent à rire, ils disent non, évidemment, c'est parce qu'elle est belle aussi. Elle était belle, elle est belle, elle m'attirait. C'est normal. Ça veut dire qu'en fait, on aime gratuitement, mais on a aussi un intérêt, du plaisir à être avec celle qu'on aime, de l'utilité, surtout si elle a de l'argent. On est comme ça, hein on ne le dit pas. hein. Mais saint Thomas, il disait le mariage, c'est aussi pour le remède à la concupiscence. On est un peu comme ça parfois. Donc, si on arrivait devant Dieu maintenant, et qu'on voyait que l'Esprit Saint, vous savez, l'Esprit Saint, s'il s'était fait homme, saint, saint Maximilien Cobb dit qu'il serait devenu la Vierge Marie. Et donc, monsieur, imaginez que vous ayez une malédiction et que là, quand vous étiez fiancé avec votre, votre femme, vous ayez vu son cœur et que vous ayez vu qu'elle est toute limpide comme la Vierge Marie. Vous l'auriez épousée Moi, en tout cas, j'aurais fui. J'aurais dit non, un cochon comme moi ne peut pas épouser la Sainte Vierge. Je suis désolé. Je n'aurais pas supporté. Ben voilà la clé. On ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas voir Dieu, sans mourir à soi-même. On ne peut pas, on ne supporterait pas. Et ça, c'est inchangeable. Il l'avait dit à Moïse. Hein, Rappelez-vous, quand Moïse dit Je veux te voir dans le buisson ardent, personne ne peut, ne peut me voir sans mourir. Donc, vous allez comprendre, il nous a mis sur terre parce que. Nous sommes en train d'apprendre à mourir à nous-mêmes pour un jour pouvoir le voir. Sinon, on ne supporte pas. Et donc, on va voir maintenant sa technique. On y va Alors, sur la Trinité, allons-y. C'était compliqué, mais après, c'est beaucoup plus simple, vous allez voir. Hein. Mais quand même, est-ce qu'il y a des questions sur ça Vraiment Ah voilà, y... non Non, il n'y a pas de questions. C'est tellement compliqué que vous n'avez pas de questions, ça, je le sais. Et donc, vous vous dites, si c'est comme ça toute l'heure, c'est fichu. Oui oui, ah ben oui, j'en ai pas parlé parce que, au départ, hein, au départ, il voulait pas faire ça. Au départ, pour mourir à soi-même, quand il nous a créés en Adam et Ève, dont je vous signale qu'ils existent. Et que ça n'est aucune, aucune, aucune importance par rapport à l'évolution. Il y a eu, avant Adam et Ève, des hominidés animaux. Mais Adam et Ève, c'est vraiment un homme et une femme. Mais la technique de Dieu pour Adam et Ève, c'était simplement de leur demander de l'obéissance pendant un petit temps, de l'obéissance, de faire confiance, donc de renoncer à leur volonté propre. Et vous vous rappelez, ils ont, ils ont trouvé ça trop dur. Ils ont dit non, on préfère choisir nous-mêmes le bien et le mal quand même. Vraiment. Et le problème, c'est qu'ils ont choisi pour nous, puisque c'est normal, ils étaient nos premiers parents. Donc la technique que je vais raconter ne s'applique pas à Adam et Ève, elle s'applique à nous. Maintenant. Mais nous devenus chrétiens. Donc je ne parlerai pas du début, ce qui s'est passé pour nos ancêtres qui étaient entre Adam et Ève et Jésus, mais de nous. Comment Sainte Thérèse d'Avila dit que ça se passe pour nous On y va Alors regardez, c'est assez simple. Je vous ai dit, Saint Paul dit l'union à Dieu est un mariage. Ça ressemble à un mariage d'amour. C'est dans l'Épître aux Éphésiens. Donc, pour toutes les personnes qui sont mariées, j'aimerais savoir qui d'entre vous s'est marié avec une personne dont ils étaient amoureux, avec un battement dans le cœur. Moi, j'ai choisi comme ça. Hein. Et qui d'entre vous s'est marié, non, vous n'allez pas lever la main, vous n'allez pas oser, en, en s'inscrivant dans une agence matrimoniale parce que vous avez 38 ans et que ça commençait. Vous savez, le héron au long bec. Vous osiez pas. Eh bien, en fait, il y a deux manières de se marier. Il y a le héron au long bec. Quand on a travaillé sa carrière, puis on a 38 ans et on, on commence à paniquer. Et puis il y a ceux qui ont la chance de tomber amoureux. Et donc il y a deux chemins qui mènent à Dieu dans le mariage, dit Sainte Thérèse d'Avila. Donc d'abord, je commence pour ceux qui n'ont pas levé la main et qui se sont inscrits à des agences matrimoniales. D'accord C'est les trois premières demeures de Sainte Thérèse d'Avila. Les trois premières demeures. Regardez comment ça se passe pour un couple humain. Donc. Vous vous inscrivez, vous rencontrez un monsieur, mesdames, vous n'êtes pas follement amoureux, mais il est gentil. Il a un projet chrétien comme vous et vous voulez fonder une famille chrétienne, surtout qu'à 38 ans, c'est pressé. Donc, vous faites un effort et vous le choisissez, vous avez des projets communs, vous discutez. Ensuite, vous vous mettez en ménage après le mariage et vous faites des enfants que vous élevez ensemble. Et ce n'est pas facile parce que... Vous n'avez pas forcément de la passion tous les jours, mais c'est un honnête homme. Vous l'avez bien choisi dans une agence. Donc vous faites des efforts, vous marchez, et c'est souvent des mariages très solides. C'est comme ça qu'on se mariait dans le temps. Hein. Vous savez, il y a un siècle, souvent, on choisissait Maureen parce que fille de pêcheur, solide, et donc lui il ne boit pas, etc. Bon, eh bien regardez comment ça se passe pour la vie chrétienne, pour ceux qui sont catholiques depuis leur naissance et qui ont toujours été catholiques. C'est cela que je vise dans la, dans la pièce. Est-ce que vous, vous pouvez lever la main ceux qui sont catholiques depuis leur naissance et qui ne sont pas tombés amoureux par une conversion à, disons, 15 ans Beaucoup, hein D'où mon père Depuis la naissance. Eh bien, donc vous n'avez pas eu cette grâce mystique tout d'un coup avec des, des lumières dans les yeux, etc. Non, vous croyez depuis tout petit. Hein Ah, donc, donc vous avez eu aussi. Donc ça ne compte pas, vous êtes exclu du groupe. Non, ceux qui n'ont jamais eu ça, qui n'ont jamais ressenti le Seigneur, uniquement qui l'ont choisi parce qu'ils se sont dit « C'est logique, moi c'est important et j'y vais. » Eh bien, Sainte Thérèse d'Avila, elle avait plein de religieuses comme ça, qui rentraient au couvent parce que c'était les cadettes des familles, et puis quelques-unes voulaient vraiment chercher le Seigneur. Alors elle a élaboré ces trois premières demeures en leur disant « Premièrement, avec votre intelligence, oui, vous analysez et vous dites, c'est le trésor. Donc je mets tout pour le trouver. Je suis devenue religieuse, je mets tout pour le trouver. C'est la première demeure. Donc l'intelligence qui comprend que le Seigneur, c'est plus que tout. On aura la vie éternelle. Mais ces filles-là n'aimaient pas par amour de Dieu, par amour sensible. Elles avaient été mises au couvent et puis elles y allaient. Ce n'est pas, pas facile. Hein. C'est à la rame, en fait. Cette première demeure est une demeure d'assaise. C'est-à-dire que comme si on conduisait un bateau à la rame et sans aimer passionnément le Seigneur, mais on y va. Donc c'est des filles super. Hein et regardez ce qui se passe au bout d'un certain temps. Ben, comme dans le mariage de raison, les petites sœurs, au bout d'un certain temps, ben, pour essayer de chercher le Seigneur quand elles étaient sérieuses, elles lisaient, elles faisaient de la théologie, elles récitaient des prières. Et c'était chiant. Au bout de trois, quatre ans. Au début, ça va, mais au bout d'un certain temps. Et vous vous dites, mais je suis dans le couvent comme ça et c'était chiant. Eh bien, saint Jean de la Croix appelle cette première épreuve chez celles qui étaient mariées par mariage de raison, les sécheresses. Mais il fallait se battre. Hein et là, il y avait un père spirituel qui leur disait, ben, ne lis pas trop quand même. Si tu lis trop, parce que tu cherches le Seigneur, tu risques de faire overdose. Ça s'appelait l'acédie. Là, c'est-à-dire un dégoût chez ces personnes-là, il faut les comprendre. Est Ce qu'on se dit, elles n'ont pas la vocation. Si, elles l'avaient, elles aimaient par choix. Et puis au bout d'un certain temps, après cette, cette sécheresse, ben, elles finissaient par s'habituer au rythme de la vie religieuse et elles étaient parties dans un rythme d'amour fidèle, un peu comme dans un mariage de raison. Ben, on est depuis 15 ans ensemble, on s'est habitué l'un à l'autre, ça marche bien, on est heureux. C'est la troisième demeure. Voilà les trois premières demeures. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça, Sainte Thérèse d'Avila. Et donc, si vous, un jour vous êtes confronté à une personne qui est chrétienne de naissance et qu'elle vous dit mais moi j'en ai marre, je fais des lectures. Ben vous saurez qu'il faut donner des conseils là en lui disant ben change peut-être de technique. Arrête de lire, tu as trop lu. Peut-être que si tu allais écouter du Jean-Sébastien Bach dans la nature, ça te changerait. Ça te donnerait un peu de sensibilité puisque tu es à la rame. Ben, tous les conseils de Sainte Thérèse d'Avila, Saint-Jean de la Croix pour ses trois premières demeures, c'est ça que lire, comment faire. Et le saint, le spécialiste de ces trois premières demeures, c'est Saint Ignace de Loyola. Ce n'est pas un mystique, lui, c'est un carré. Donc, le nombre de, de prières. Par exemple, il va vous dire il y, y a quatre chapelets dans le rosaire maintenant. Vous allez dire quatre chapelets par jour, donc un rosaire complet, c'est trop. Un chapelet par jour, pour ne pas faire d'assédit. Et on mesure avec un père spirituel le rythme. Ben, comme un conseiller conjugal qui dirait à une femme ou son mari, c'est un peu lourd, ben, reprenez votre décision du départ. Et puis, vous, faites, vous vous donnez aussi des loisirs pour tenir dans le couple. Des conseils de bon sens, quoi. Voilà les trois premières demeures. Avez-vous des questions sur ces trois premières demeures Ceux qui se sont mariés par agence, n'hésitez pas maintenant. Personne n'ose. Personne hein non, moi non plus, je n'ose pas. Hein C'est peut-être vrai que je me suis marié par agence, moi, mais je ne vous le dirai jamais. C est, c est, on est un peu honteux, mais pourtant ça marche. Hein je, vous le hein je vous le conseille. Théotokos, paraît que ça marche bien. Et puis il y a Alliance chrétienne, n'est-ce hein pas ça, ça marche bien. Donc, ben voilà. Trois premières demeures, l'épreuve, les sécheresses. Passons maintenant à la deuxième technique de Dieu, la quatrième demeure. Mais attention, regardez bien, prenez votre bon sens. Hein. Quand vous tombez amoureux, quand une jeune femme tombe amoureuse folle d'un jeune homme parce qu'il est beau, parce qu'il paraît rassurant et doux à la fois tout en étant fort. Et puis la jeune femme, le jeune homme, il tombe amoureux de cette jeune femme parce qu'elle est belle physiquement. Elle a tout ce qu'il faut ou il faut, vous voyez ce que je veux dire. Mais elle est pure. Elle paraît pure avec des yeux qui battent comme ça, clink, 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 des yeux bleus. Elle est virginale et attirante. On tombe amoureux pour ça, hein. souvent. Les hommes, pour les motifs que je viens de dire, et les femmes, vous tombez amoureux parce que l'homme paraît rassurant et doux, puis beau. Enfin, c'est comme ça. Hein. Mais vous avez remarqué, là, c'est les étoiles dans les yeux. Ça change tout. On est amoureux. Alors là, je peux vous garantir que ceux qui se convertissent comme ça, ils viennent à la messe. Ils ne trouvent pas d'excuses. Parce que le Seigneur, quand il surgit dans cette quatrième demeure qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, eh bien on est amoureux de, de Jésus. Mais vraiment. Et du coup, on peut supporter une heure de conférence par un vieux machin comme moi sans s'ennuyer une seule seconde. Et les sermons sont passionnants. Tous les sermons disent quelque chose. On apprend et on suit des retraites. On est amoureux. Quatrième demeure, c'est ça. Alors regardez, tout à l'heure, quand Fred, vous savez, avec l'esprit saint, il a voulu faire ch chanter en langue. C'est le moment où le Seigneur, il nous connaît parfaitement. Vous savez ce qu'il va faire là, pour nous attirer à lui, pour pas qu'on l'abandonne. Il va multiplier les phénomènes mystiques. Et c'est des signes à tirer la rigo. Par exemple, je ne sais pas, vous avez pour un travail, vous tirez une petite phrase au hasard, va chercher rue le courbe, on y va, puis on trouve un travail. Je ne sais pas, c'est fantastique. On dirait qu'il fait le, le feu d'artifice pour nous rendre amoureux de lui. Donc c'est bourré de phénomènes mystiques, de chants en langue, de signes extraordinaires. Mais à votre avis, là, dans cette quatrième demeure, quand on reçoit plein de signes, avec des, savez, des coïncidences frappantes, et parfois même des rêves. Et puis on peut prier le chapelet. Alors là, c'est un rosaire par jour, ce n'est pas, pas assez. Hein. C'est comme quand on est amoureux de son, son fiancé, on, on, on se regarde dans le blanc des yeux, mais pendant des heures. C'est la même chose, c'est exactement la même chose, ça fonctionne pareil. Dites-moi, est-ce que la personne là, dans la quatrième demeure, aime plus que la personne qui est restée fidèle 30 ans et qui est dans la troisième demeure, à votre avis. Moins, hein En fait, elle aime passionnellement. Elle est amoureuse sensiblement. Donc, les demeures sont pas une hiérarchie, c'est pas ça. C'est la psychologie par laquelle on grandit dans l'amour. Mais la différence, c'est que là, vous voyez, c'est comme si on avait un voilier et le vent souffle dans la voile. On n'est plus à la rame, là. Hein Donc là, ceux qui l'ont expérimenté, hein, franchement, c'est extraordinaire. Moi, je l'ai vécu à 14 ans et j'ai pu. Ça m'a duré 10 ans parce qu'il fallait vraiment. Il, il avait besoin de me séduire, sinon j'aurais abandonné. Hein. C'est évident. Il y, aurait, il y avait plus de plaisir sensible, je serais parti. Dans les couples, c'est pareil. Il y a plein de jeunes filles. Le jour où le cœur ne bat plus, parce que enfin, le, le, les étoiles disparaissent du cœur, elles s'en vont. C'est exactement pareil. Mais en tout cas, quand ils donnent ça. Je peux vous garantir, ça dure en général quelques années, de telle façon que jamais vous n'oubliez ce moment-là. Exactement comme dans le couple, les moments de fiançailles. Vous vous rappelez, messieurs, quand vous preniez votre fiancée, qui est maintenant une grosse femme, sur vos genoux, et que vous lui teniez la main Mais c'est vrai Mais Je vous garantis, et moi je l'ai fait aussi. C'est ça, quatrième demeure. Mais attention, maintenant que vous ne prenez pas votre grosse femme qui a toujours été fidèle et qui vous a donné des enfants sur vos genoux, vous l'aimez plus. Donc il ne faut surtout pas juger à ce que je suis en train de dire. ou là. Euh, D'ailleurs, j'espère que je ne choque pas. Hein. Vous avez compris, hein, c'est de l'humour. Mais c'est vrai. Alors, maintenant, considérons ce qui se passe dans cette quatrième demeure. Est-ce que, mesdemoiselles, vous aimez lui ou alors le plaisir d'être avec lui On aime le plaisir. Et que beaucoup partent parce que, en fait, on ne l'aime pas lui, mais on aime aimer. Et on s'en rend pas compte. Parce que, parole parole, là, tu vas mettre donc Dalida qui va vous chanter ce que c'est que la quatrième demeure. Je donnerai ma vie pour toi. Quoi qu'il arrive, compte sur moi. Pardon, j'ai fait de la danse classique, mais je vous jure que c'est comme ça, vous vous rappelez. « Reprenez les lettres de l'époque, mon petit oiseau des îles, toi dont le cœur bat comme... » Mais vraiment, eh avec le Seigneur, on fait pareil. On est là et on l'aime, et, et Seigneur, et on bavasse, et on bavasse, et on bavasse. Et c'est normal, mais on ne l'aime que parce qu'il nous donne du plaisir. Il le sait, et vous inquiétez pas, il ne nous en veut pas. Il sait qu'on fonctionne comme ça, nous, les êtres humains, et qu'il va falloir du temps, il va le prendre, le temps. Et quand je vous dis que le mariage est une analogie propre, ça veut dire vraiment qui exprime ça, vous allez voir la suite. Donc, mesdames, vous avons donc épousé un prince charmant qui était monté sur un cheval, et avez-vous remarqué que trois ans plus tard, c'était une patate de canapé qui regardait le foot Messieurs, nous, on est différents. Enfin, Sainte thérèse elle, elle, elle parle surtout des femmes. Hein. Mais nous, c'est plutôt qu'on souffre de... On ne comprend pas qu'elle ne nous aime plus. C'est plus comme avant. Elle souffre de plus avoir le sentiment. Vous savez que 9 fois sur 10, quand une jeune femme s'en va, je parle des jeunes femmes, la raison est là. Je t'aime plus, j'ai plus de sentiment. Donc c'est absolument réel. Cette chose-là dont je suis en train de vous parler s'appelle, chez Sainte-Thérèse d'Avila, chez chiens de la Croix, la nuit des sens. Vous ne ressentez plus. Vous ne ressentez plus. Et donc, demandez aux jeunes filles, j en, j en, encore l'autre jour, j'en parlais, mais si je ressens plus, il faut que je m'en aille, puisque je l'aime plus, sinon c'est de la pitié. Et moi, je lui répondais, mais non, le sentiment, c'est la confiture. Tu l'aimes quand tu lui restes fidèle, il est bien. Indépendamment de ce que tu ressens. C'est ça, aimer Eh bien non. Donc il va falloir que le Seigneur nous apprenne à l'aimer non plus pour le plaisir qu'il nous donne, mais pour lui-même. Et donc c'est lui. Alors est-ce qu'il nous l'envoie directement Pas forcément. Je crois que c'est une loi psychologique. Vous savez, il a fait que le, la passion sentimentale dure trois ans, humainement et chrétiennement. Donc. Alors regardez, vous allez aller dans un couvent de hein, je le disais hier, mais c'est vrai, des contemplatives. Vous savez, les, les, les carmélites. Regardez les petites sœurs qui viennent de rentrer, celles qui ne portent pas encore l'habit. Une heure à l'oraison comme ça. Vraiment. Celles qui ont six mois de vie religieuse avec le voile blanc, une heure à l'oraison comme ça. Celles qui ont trois ans de vie religieuse, vous les verrez, elles sont prosternées, elles font la, la petite vénia, c'est comme ça. Écoutez bien, vous entendrez ronfler. Je vous jure, mais dire que moi, au début, quand j'allais voir, je me disais, elles sont prosternées, c'est l'humilité totale, c'est la... pas du tout. Elles sont dans la nuit des sens, les pauvres, mais elles tiennent, elles sont fidèles. Ne croyez pas qu'elles n'aiment pas. Non. Et quelquefois, comme disait la petite Thérèse, quand on frappait à la fin de l'oraison, je me réveillais en sursaut, toute batturée, et je disais au Seigneur que je l'aimais. Le Seigneur bénit celui qui lui est fidèle dans cette nuit des sens. La personne qui est fidèle Là, quand elle n'éprouve plus de sentiments, elle aime plus que dans la quatrième demeure. Et voyez l'analogie dans le couple, messieurs, qui a été non, je vais pas demander, <laughs> qui a été plaqué dans les trois premières années de mariage. Mais la réalité, c'est que, mesdames, vous qui êtes restées fidèles à votre mari quand était la nuit des sens, voilà, messieurs, cette femme vous a aimé. Parce que le choc, surtout quand on ne sait pas que cette épreuve vient, que dans la préparation au mariage, les prêtres n'ont pas prévenu la fiancée qu'elle allait avoir cette nuit d'essence, sans doute dans les 3 à 10 ans, peut-être avant quelquefois. Le choc des jeunes femmes, vous vous rendez compte Vous vous attendiez au paradis merveilleux, avec, vous savez, avec, je vous ai dit, le Seigneur. Mais pas du tout. Donc voilà. Le but de la nuit d'essence, c'est faire qu'on n'aime plus le Seigneur pour le plaisir, mais qu'on se mette à l'aimer pour lui-même. Et c'est là, quand on est resté fidèle, là, dans cette nuit d'essence, qu'au bout d'un certain temps, et ça, je suis sûr que vous l'avez expérimenté, vous avez remarqué, ben, on ne cherche plus tellement à ressentir, simplement, mon homme, il est bien. On s'est engueulé, mais il m'a pardonné. On s'est pardonné mutuellement, et puis on a fait des beaux enfants. Et on les élève ensemble. Alors quand même, attention, hein, jamais, je crois que jamais une femme ne se passe complètement du, du besoin sentimental. Donc messieurs, si vous oubliez l'anniversaire, faites pas comme moi qui l'oublie tout le temps. C'est catastrophique. Vous devez penser à donner un, des moments sentimentaux, donc les anniversaires, la fête des mères, c'est évident. Eh bien le Seigneur fait pareil. Dans la cinquième demeure, une religieuse n'a plus besoin de ressentir, mais le Seigneur, de temps en temps, lui donne quand même des grâces sensibles. De temps en temps. Mais elle n'en a plus besoin. On sait qu'on est dans la cinquième demeure, le jour où on aime. On aime bien éprouver du plaisir, mais tant pis s'il n'y en a plus. Il est là. On sait qu'il qu est là. On l'aime pour lui. Donc voyez l'immense progrès. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, par contre, tous les conseils spirituels, mon père, il hein, faudra l'apprendre. C'est que quand vous avez une personne qui dit Moi, je suis à la messe, j'ose pas le dire, mais je roupille tout le temps, ou je m'ennuie et je pars dans l'imaginaire, nuit sens. Pensez tout de suite nuit sens et là, c'est facile, c'est normal. Regardez la catastrophe, par exemple, chez les évangéliques. Eux, ils sont les spécialistes de la quatrième demeure. Vraiment, des chants magnifiques, avec la grâce du Seigneur qui vient dans le cœur. Et comme les pasteurs n'ont pas gardé Sainte Thérèse d'Avila, quand une femme bouleversée par la présence du Seigneur vient leur dire, maintenant je m'ennuie pendant les cérémonies, au lieu de dire, c'est normal, tu apprends, il leur dit, c'est parce que tu manques de foi. Et c'est pas vrai, c'est pas parce qu'elle manque de foi, c'est parce que le Seigneur est en train de l'éduquer. Donc, voyez, nous, catholiques, on a, grâce à cette tradition, l'explication. Et l'explication, je vous l'ai dit, la Trinité, il est en train de former notre cœur au rythme d'un petit troupeau, lentement, il adapte de manière à ce qu'un jour on puisse le voir face à face. Mais ça, c'est la première étape. Voilà. Résultat troisième demeure, cinquième demeure, eh bien, on est rendu au même niveau. Ça veut dire que dans les deux cas, l'un à la rame, qui est resté fidèle, l'autre à la voile avec la nuit d'essence, on est fidèle, on aime le Seigneur au jour le jour, on est capable de tenir, on est une épouse fidèle de Dieu. Et vous vous rappelez, il y a deux autres demeures, et ça on va en parler après, là il faut s'arrêter maintenant, donc là vraiment, franchement, il y a forcément des questions, c'est pas possible autrement, parce que sinon je vais avoir fini, puis on va manger. Donc voilà, allez-y. Hein. Fr franchement, allez-y. Les questions, posez-les toutes, comme par exemple, quel conseil donner pour une personne Comment savoir dans quelle demeure elle est Est-ce qu'on peut revivre plusieurs fois les demeures Vous n'avez pas des questions comme ça La deuxième demeure, c'est le moment où, étant marié donc euh, avec un homme rencontré en, par un mariage de raison, vous êtes dans les efforts et vous éprouvez des sécheresses. Il y en a ras-le-bol, quoi. Vous vous dites, je me bagarre pour être avec mon mari que j'ai choisi en agence matrimoniale, mais c'est pas facile. Quand même, j'aurais bien aimé, aimé, enfin, être amoureuse d'un homme, quoi, comme les autres, comme les copines. Donc, c'est les sécheresses. Troisième demeure, c'est quand justement vous vous moquez d'éprouver ces sécheresses. C'est un homme bien, donc vous lui restez fidèle, calmement. Donc, pareil. Vous ne cherchez pas à être bien dans votre peau. Vous êtes bien dans votre peau du coup. Ça va Oui, j'aurais pu, mais ça aurait été mille fois moins clair. Ça veut dire qu'en fait, Saint Paul nous dit... Quand on veut comprendre une réalité spirituelle compliquée, il faut prendre des analogies dans ce qui est facile à comprendre. Et donc c'est pour ça que Saint Paul dit, regardez le sacrement de mariage, c'est un grand sacrement, je veux dire le rapport de notre âme avec le Christ. Donc l'analogie vous permet de comprendre. Si vous n'êtes pas marié, alors dans ce cas-là, prenez l'amitié. Je sais bien, hein, mais en regardant vos parents, si vous n'êtes pas marié, tel qu'ils ont vécu, regardez leurs journaux intimes, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai lu le journal intime de maman. Pareil, alors fiançaille merveilleuse avec le mari vétérinaire. Trois ans plus tard, il lui achète une de chevaux, donc il l'aimait. Et puis un jour, ils se fâchent tous les deux. Elle venait de laver sa de chevaux. Vous savez pas ce qu'il a fait, papa Il lui a ressali sa deux chevaux. Voilà. Mais Il ouais, faut pas exagérer. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, chez vos parents, regardez, vous verrez la même chose. Ils vous raconteront. Hein. C'est comme ça dans presque tous les couples. Franchement, est-ce que j'ai été réaliste vous, avez, vous êtes reconnu dans votre couple, pour les personnes qui sont mariées Cette épreuve de la nuit d'essence au début, là, où on ne ressent plus Tout le monde, hein. il y a des fois où paisiblement ça se passe bien. Il y a plein de diversité, mais c'est fréquent, en tout cas. Voilà, d'autres questions On peut apprécier soi-même quand on connaît ça. par exemple si vous vous avez expérimenté le mariage en comparant vous pouvez deviner par exemple quand vous souffrez parce que vous ne ressentez pas le Seigneur après votre conversion vous pouvez deviner que c'est une nuit d'essence. De même si votre fille vous voyez que ça va pas très bien avec son mari parce qu'elle n'est pas amoureuse comme avant vous pouvez lui dire c'est une nuit d'essence de la même façon. donc on finit par être lucide mais comme faut du temps, je vous conseille au départ de prendre un père ou une mère spirituelle. Quelqu'un qui a analysé ça. Sainte Thérèse d'Avila disait Mieux vaut un théologien qu'un saint. Parce que si vous prenez un saint, donc, vous voyez, mystique et amour, il va peut-être vous faire réciter 50 chapelets par jour, tellement il est amour. Si vous prenez un théologien, il est carré, il vous dira Non, là, tu exagères, tu modères ça. Tu portes un cilice, mais ça te fait saigner, c'est trop ça. Tu élimines. Il est raisonnable, mais un théologien mystique que vous pouvez devenir. Parce qu'en connaissant ça qui est très simple, du coup, vous pouvez devenir pour chacun d'entre nous des conseillers. Avec humilité. Pourquoi Parce que ce que je raconte là, c'est un schéma général. Mais dans les couples, vous avez vu, ce n'est pas tout le temps comme ça. Il y a quand même des couples. Ma sœur, mais il n'y en a pas tellement d'autres que ma sœur, hein où il n'y a pas de nuit d'essence. C'est-à-dire que maintenant, après 25 ans de mariage, ils se tiennent toujours par la main. Ils s'appellent chéri et mon petit lapin. Mais c'est rare, hein. Ma sœur et mon beau-frère, mais je ne sais pas. Même toi, Karine a un nom, tu l'appelles plus ton petit lapin. <laughs> je ne sais pas. Mais à l'époque, tu l'appelais ton petit lapin. Voilà. Ça va, donc ça va. Donc, oh. Ah si, 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 voilà, il y a une question là. Très bien. c'est la cinquième demeure c'est la cinquième demeure ça veut dire que tu n'as plus besoin de passion comme au début mais si tu as une conversion avec des étoiles dans les yeux au début tu as vu c'était tellement fort que c'était merveilleux mais maintenant tu sais relativiser c'est la preuve que sans doute c'est la cinquième demeure donc le plaisir quand il vient tant mieux mais c'est beaucoup plus profond un peu comme avec un mari ou tant pis il a oublié l'anniversaire mais il est tellement droit c'est mon homme donc paisiblement, on est heureux, on est dans le bonheur, quoi. Vous voyez, ça, ça correspond à peu près. Voilà. Alors maintenant, il reste à voir les deux dernières demeures. Hein. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur la Trinité Si il suffisait d'aimer Dieu pour le voir, la cinquième demeure est suffisante. On est paisible, on est fidèle. Le Seigneur le dit. Et vous vous rappelez que le Seigneur y dit il y a des choses encore que je dois vous dire mais je ne peux pas vous les dire maintenant vous ne pourriez pas les supporter donc il y a ça c'est pour nous et puis il y a ce que je vais dire maintenant il faut juste le connaître juste le connaître pour comprendre la logique de ce qui va nous arriver un jour c'est presque obligatoire je vous ai dit qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même c'est pas possible on ne supporterait pas ça ressemble à à un homme normal qui, qui voudrait épouser la Vierge Marie en voyant son âme. Il ne pourrait pas la toucher. Donc il va falloir que Dieu, d'une manière ou d'une autre, arrive non seulement à nous débarrasser de ce plaisir qu'on avait, qui motivait notre amour, mais qu'il nous débarrasse même de l'utilité que ça nous donne, parce que l'amour de Dieu nous équilibre. Regardez, imaginez que vous soyez athée maintenant, là, étant présent. Imaginez. Comparer quand on croit en Dieu, qu'on sait qu'on va bientôt le voir à l'heure de notre mort, comme tout est changé, c'est utile. Le Seigneur nous équilibre. Or, quand on aime le Seigneur pour s'équilibrer, c'est quand même encore un amour centré sur soi. Donc, ça aussi il doit le purifier. Ce qui n'est pas le cas là, pour le coup, dans le couple. Quoique. Quoique, il y a des nuits, ce que je vais raconter maintenant, donc les cinquième et sixième demeures, il y a des couples qui les vivent. Souvent, regardez l'analogie. Quand arrive le moment de la retraite, qu'on a élevé ensemble les enfants, que tout d'un coup le mari revient à la maison, qu'on est devenu vieille, que le mari est vieux et que c'est un étranger, et qu'en plus il s'embête toute la journée dans la maison, eh bien, il y a plein de couples à cette époque-là qui craquent et qui divorcent. Ce n'est pas cette fois parce qu'on ressent, on n'est plus des, mini, des, des midinettes. Ce n'est pas ça. C'est parce que ça n'a pas de sens. C'est un étranger. On ne comprend plus. La vie a passé si vite. Et donc, souvent, là, alors du coup, erreur fatale, on va rechercher un printemps de plaisir sentimental. Les femmes et les hommes. Donc, voyez, ça, cette épreuve-là, qui touche la compréhension du sens de la vie, dans certains couples, s'appelle la nuit de l'esprit. C'est pas qu'on ressent, c'est qu'on ne comprend plus. Donc, je vais vous donner un exemple. C'est arrivé à maman. Peut-être que ça lui est arrivé, je serais, ne serait-ce que pour que je donne un exemple. Donc, mon papa, qui était un vétérinaire, à un moment donné, il était en terrain conquis. Hein. En plus, elle ne travaillait pas. Donc, il lui parlait mal. Quoi Encore des haricots Encore des haricots à ah, fameuse et ma mère lui disait, tu redis ça, je partirai. Oh, je te bloquerai les comptes. Vous voyez, c'est-à-dire au bout de 30 ans de mariage, il lui parlait comme ça. Il, a, il était heureux, il lui, jamais elle allait le quitter. Il lui a reparlé comme ça, elle a cassé le plat par terre, elle est partie six mois. Elle revient au bout de six mois. Que fait mon père Il fait le fort, quoi. Il se met à quatre sur au lit. Ça sent l'homme. Mais pour plaisanter, c'était de l'humour. Elle est repartie six mois. Là, il s'est écroulé. J'ai trouvé un cahier où il a écrit, je sais pas, mille fois, je t'aime, je t'aime, reviens. Après, il n'a plus jamais été le même. Jamais, elle ne l'a plus abandonné. Elle est revenue. Elle l'a porté jusqu'à sa mort. Elle a renoncé à tout, mais elle l'a accompagnée. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui ressemble à la nuit de l'esprit. Elle ne comprenait pas, il se comportait mal. Il n'aimait plus comme avant. Elle est partie. La nuit de l'esprit, c'est quoi pour le Seigneur C'est quand, à un moment donné, de sa propre volonté, il nous retire l'impression qu'on a la foi. C'est quelque chose de très spécial. Par exemple, regardez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est typique. Et là, vous allez voir, c'est une épreuve qui ne peut venir que du Seigneur. Donc, elle fait ses vœux perpétuels. Une semaine plus tard, elle crache du sang elle découvre qu'elle a de la tuberculose. Au début, elle se réjouit. Elle se dit, oh, je vais bientôt le voir. La maladie progresse en elle, elle commence à étouffer. Et à ce moment-là, il lui retire l'impression qu'elle a la foi. Ça veut dire qu'elle dit, je crois parce que je dis que je crois, mais je ne sais pas si je crois. Elle a une petite confidence à un moment donné. À sa sœur, elle dit, maintenant je comprends ce qui se tue. Ça dit tout, c'est suffisant. La nuit de l'esprit, c'est quelque chose de terrible. Comment est-ce qu'on sait qu'on y est En général, c'est tellement dur puisqu'on ne comprend plus, on a perdu la lumière, qu'on a envie de mourir. C'est souvent le signe. Donc vous me dites, mais pourquoi Pourquoi Qui pourrait me dire pourquoi maintenant avec la logique que je vous ai expliquée Pourquoi est-ce qu'il faut passer par là parfois On verra d'ailleurs si tout le monde y passe après. Ça serait une bonne question, ça. Mais est-ce que vous voyez la logique le Seigneur est en train de nous faire mourir à nous-mêmes. Voilà. Et donc quand on a connu ce temps de désespoir, pour ceux qui ont fait une dépression, par exemple, c'est un peu analogue. Tiens, une histoire que je vais vous raconter qui va vous montrer le changement radical que c'est. C'est un père jésuite qui m'a raconté ça. Il avait une dame dont il s'occupait, comme directeur spirituel. Elle priait, une vraie fervente, et puis elle s'occupait des pauvres, vraiment, avec une charité très, très donnée. Et c'était un monstre d'orgueil. Oh, regardez ces jeunes qui ne prient pas, qui ne s'occupent pas du Seigneur, etc., etc. Et lui, il essayait de lui dire, mais l'amour sans l'humilité, ça ne sert à rien. Il faut que vous soyez humble, elle n'écoutait pas. Et puis, elle est très ascétique. Hein. Elle prenait sur elle jusqu'au jour où elle n'a pas dû faire at assez attention à dormir. Elle a fait ce qu'on appelle une dépression au sens médical du terme. Elle s'est écroulée comme s'il y avait un mur devant elle. Vous voyez, c'est bizarre la dépression. Hein. Il n'y a, a plus d'avenir. Et elle a fait une tentative de suicide. Incroyable. Il est allé la voir à l'hôpital. On lui avait fait huit jours de, de cure de sommeil. Quand elle est revenue à la maison, elle était totalement changée. C'était plus la même personne. Elle était modeste. Elle ne se faisait plus d'illusions sur elle. Elle était cassée. La nuit de l'esprit, quand on la vit, voilà ce que ça donne. On devient un pauvre. Je ne sais pas si vous voyez... Hein, moi, j'ai connu parfois des, des moments comme ça, mais ceux qui ont été frôlés par l'aile de l'angoisse, simplement l'angoisse, qui n'est pas le désespoir. Hein. L'angoisse, c'est pas mal déjà, hein. c'est énorme. Vous voyez cette boule au ventre. Vous savez, comme on a peur après que ça revienne ben Imaginez le désespoir. La nuit de l'esprit, c'est une forme de désespoir. Ce n'est pas la désespérance. Hein. Désespoir, c'est par exemple une petite jeune fille anorexique. La vie n'a pas de sens. Désespérance, c'est la volonté d'un orgueilleux qui dit Moi, tu me proposes ton pardon, jamais. <laughs> c'est un péché, c'est pas pareil. Désespérance, c'est un péché. Désespoir, c'est une épreuve. Ben voilà ce qu'on appelle la nuit de l'esprit. Celui qui vit la nuit de l'esprit, et je suis sûr qu'il y en a qui l'ont vécu, hein, ça peut venir n'importe comment une rupture sentimentale, un divorce, une maladie. Bref, dans notre faiblesse. Alors il faut se dire, ça vient du Seigneur. Il est en train de préparer notre cœur. Quand on le sait, regardez comme c'est léger en comparaison de des personnes athées à qui ça arrive. Une personne athée que sa femme largue. Mais qu'est-ce qu'elle a Elle ne croit plus en rien. Les gens se suicident. Et le Seigneur les rattrape. Hein. La nuit de l'esprit, par la croix du... Qui n'est pas la croix du Christ, par une autre croix, façonne quand même le cœur. Donc le Seigneur les prépare, évidemment, il va les rattraper, vous devinez, c'est évident. Mais pour nous, voilà l'explication. Donc la septième demeure, la septième demeure de Sainte Thérèse d'Avila, c'est tout simple. On croit souvent que c'est des grands états mystiques, vous savez, avec des yeux levés vers le ciel, et puis des lévitations. Pas du tout. C'est des pauvres hommes sans illusion sur eux, qui n'ont plus aucune espèce d'illusion sur leur sainteté, qui savent qu'ils sont tout pauvres. Je vais vous raconter une petite histoire qui illustre ça. J'ai connu, je crois, deux personnes qui étaient à mon avis, je le pense vraiment, dans la septième demeure, mais évidemment sans le savoir, puisque c'est tellement simple. Un jour, quand je faisais mes études de théologie, vous savez, c'était le vendredi saint et on jeûne. 15 heures, là, je commençais. C'est bizarre, c'est comme par hasard ce jour-là, alors que moi, je ne suis pas tellement porté sur la nourriture, que le jeûne, c'est impossible. Donc moi, je, en catimini, je me dirige vers la chambre froide pour aller boire, vous savez, la crème du lait, là. Je me disais, il est mort maintenant, le Seigneur, donc ça va. Et je tombe sur quoi Une petite sœur religieuse depuis 50 ans qui faisait la même chose que moi, qui avait la lèvre toute blanche. Et elle, on s'est mis à rire, et elle m'a dit, ben voyez, vous voyez, après 50 ans de vie, ans de vie religieuse, j'en suis encore là, vous savez. Elle était toute simple, toute humble. Elle vous donnait envie d'aimer le Seigneur. Vraiment. Alors un autre exemple pour vous montrer ce que c'est que la septième demeure, cette simplicité, l'humilité mêlée à un amour fidèle, mais sans illusion sur soi. C'est un prêtre, il s'appelle le Père Emmanuel de Floris. Quand j'étais jeune, je suis allé faire un petit temps d'ermitage à Montmorin où il tenait un ermitage. Et puis moi, tout jeune, 18 ans, je vais le voir et je dis, mon père, vous vous êtes fait ermite pour être plus proche du Seigneur. Il me dit pas du tout, non, non, je ne supportais plus mon père abbé. Bon, alors moi, je me confessais, puis il me disait, toi aussi, moi aussi. Ah ça, ce n'est pas un péché. Tu retournes péché, puis après, tu reviens. Et alors, je me rappelle, il y avait un, un religieux qui était là, qui faisait une retraite, qui le regardait avec cette humilité, cette espèce de simplicité, et il le méprisait. Il disait, mais c'est un abruti, il, il, il est tout simple comme ça, mais c'est quoi la dignité du prêtre Et moi, j'étais persuadé que ce n'était pas vrai, c'était un saint. Et je ne me suis pas trompé. Trois ans plus tard, il a annoncé la date de sa mort, il mourrait, a-t-il dit, la Saint-Joseph de l'année suivante. Arrive le 19 mars, les frères de Montmarin lui disent, mais mon père, vous êtes en bonne santé, on va faire une fête pour votre mort. Et il n'était pas mort, il était en pleine forme. Et à 11 et demie, il riait sur sa chaise et il s'est arrêté, il est mort. Et après, des parfums, des parfums de sainteté, des fleurs, des parfums de fleurs partout dans les ermitages. C'était un saint, il était tout simple, il n'avait pas d'orgueil, il était jaloux comme un tic d'un autre prêtre qui prêchait bien, mais il le disait Je suis jaloux, je ne prêche pas bien, moi. Il était simple. La septième demeure c'est une personne sans illusion sur elle elle est dans la volonté de Dieu il veut qu'on soit humble et aimant et à côté de ça qu'on applique les vertus mais en conséquence par contre il ne supporte pas les pharisiens des gens qui suivent les vertus en étant sûrs d'aller au ciel les gens petits les gens modestes voilà ce qu'aime le Seigneur donc si vous cherchez ce que dit Louisa Picaretta, être dans la volonté de Dieu, c'est tout simplement ça. Il n'y a rien d'autre. Tout humble. Par contre, à votre avis, est-ce qu'on peut atteindre cette kénose Parce que c'est le mot grec. Hein. Kénose, ça veut dire euh, on met les autres au-dessus de soi. On n'a plus d'illusion sur soi. Ce n'est pas l'humilité. L'humilité, c'est je suis meilleur en maths que toi, donc je, suis, je le reconnais. Sans se vanter. Kénose, ce n'est pas ça. C'est quand on met les autres au-dessus de nous-mêmes, comme fait le Père. Le Père met le Fils au-dessus de lui-même. À votre avis, est-ce qu'il faut forcément passer par cette nuit de l'Esprit pour être kénose Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il faut passer par la croix pour être sauvé, comme on le dit le jour de Pâques Ou est-ce qu'on peut être kénose, donc tout humble, mort à soi-même, sans passer par cette souffrance Vous en pensez quoi Là, je préférerais pas répondre. Hein Alors voilà, voilà. Oui, il y a quelqu'un qui a une réponse. Le bon larron, il est passé par des souffrances terribles, terribles. Donc la croix, le purgatoire, il l'a fait en étant tout seul avec une croix qui n'est même pas la croix de Jésus, qui est la croix d'un pauvre homme qui espère qu'il y a un sauveur et que c'est lui. Donc ça, on aurait pu en parler, comment Dieu mène au paradis. Tous nos enfants qui n'ont plus la foi. Ils s'occupent d'eux, hein, je vous ai dit tout à l'heure. Donc, la nos est acquise, mais par une croix beaucoup plus dure. Mais est-ce que nous, chrétiens, on pourrait atteindre à cette mort à nous-mêmes sans passer par là Personne n'a d'idée Regardez simplement à partir de l'analogie du mariage ou de la Sainte Vierge. Il y a une manière, je crois. Mais c'est pas pour n'importe qui, c'est certainement pas pour moi, par exemple. Moi, je suis un peu un rhino maintenant. Un rhino, vous voyez, c'est une bête avec une corne comme ça, et qui, est, qui a de la couane, qui est capable de supporter des contradictions à force. Ben, je suis un peu attaqué parfois sur Internet, donc j'ai fini par me faire un cuir. Donc moi, certainement, il faudra que je souffre. Mais par contre, je m'occupe sur Internet d'une petite jeune fille qui est anorexique mentale, 19 ans, qui est chrétienne comme tout, mais qui n'arrive pas à se débarrasser de ça. Elle n'est que amour pour les autres. Elle ne pense qu'aux autres. Mais elle-même, elle se détruit. Je pense que l'autre chemin, pour des personnes aussi fines que ça, délicates, c'est la compassion. Elle vit des souffrances des autres tellement que ça provoque le même effet. Mais ce n'est pas mon cas. Un rhino comme moi, il a du mal à être dans la compassion. Un rhinocéros, vous hein, voyez, un rhino, c'est un rhinocéros. Mais s'il y a parmi vous des personnes très sensibles, Très délicate, eh ben, sans souffrir, comme la Vierge Marie, la compassion devant les souffrances des autres, devant les souffrances de ceux qui ne connaissent pas Jésus, provoque le même effet. Mon père, vous en connaissez des personnes comme ça, ça existe, hein mais c'est des âmes très fines, très, très délicates. Moi, je suis pas comme ça. Hein Levez la main. Ceux qui... Non. Ben voilà. Septième demeure. Alors, dans la septième demeure. Là, on a fait son purgatoire sur terre. Quand on est passé par la nuit de l'esprit, l'orgueil, je crois, ne repousse même pas, tellement on a souffert. Par contre, quand on a connu la nuit de l'essence, souvent, ben, l'orgueil revient. On finit par se croire bien. Mais quand on a connu la nuit de l'esprit, on est vraiment libéré. Et donc Sainte Thérèse d'Avila dit dans cette demeure-là, la septième demeure. On ne cherche plus à briller quand on fait de l'apostolat, alors que d'habitude, on cherche à briller un peu. On est mélangé hein, avec du foin, de la paille. Du coup, l'apostolat produit des fruits immenses parce qu'on ne cherche pas les résultats. On est devenu un pauvre. Voilà, je vous laisse poser les questions maintenant. À vous. S'il y en a. Non, il y a vraiment des épreuves qui sont envoyées par Dieu. Ça paraît bizarre, je sais, mais vous savez, quand on a changé le notre Père, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dans la Bible, vous avez ça qui est manifestement montré. Il y a trois sortes d'épreuves en fonction des trois êtres qui existent sur Terre que Dieu peut envoyer. D'abord, sur Terre, il y a des mauvais larons, des gens centrés sur eux, mais librement, volontairement. Dans ce cas-là, voyez ce que dit la Sainte Vierge, il renverse les puissants de leur trône. Ça, ça ne nous concerne pas, nous, hein, mais quand même, il peut très bien envoyer une épreuve à un orgueilleux, mais ce n'est pas pour le perdre, c'est pour qu'il tombe et qu'il soit sauvé. Regardez dans le premier livre des rois, regardez le roi Achab. C'est quelque chose qui va vous stupéfier, vous allez vous dire, mais ce n'est pas possible. Saint Thomas dit que ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Donc, il y a un roi des Juifs qui est orgueilleux. Et Dieu, nous on le sait par Jésus-Christ, veut le sauver. Donc Dieu se réunit dans son conseil, il y a les anges et il y a l'Esprit Saint qui est là. Et Dieu dit Qui ira dans les prophètes du roi Achab pour lui faire croire qu'il doit attaquer Ramoth de Galaad, donc une armée ennemie, et, et pour qu'il meure au combat Un ange prit la parole et dit Moi, moi je ferai comme ça. Et tout d'un coup, l'Esprit prit la parole et dit, moi j'irai, je me ferai esprit de mensonge dans tous ces prophètes, et il ira au combat en croyant qu'il va gagner, et il y périra. Mais pour comprendre ça, il faut comprendre que Dieu veut sauver l'orgueilleux. Donc, il le prend à son propre piège, il périt par l'épée. C'est ce que dit Jésus, rappelez-vous, quand il dit, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez misérablement comme ces galiléens qui ont été écrasés par la tour de Siloé c'est pas pour nous mais c'est valable pour les mafiosi italiens, tu tues, tu seras tué tu prends l'épée, tu périras par l'épée comment ils sauvaient les grands guerriers de Jadis, vous savez qu'ils partaient au combat en disant moi je suis plus fort que tout, je suis le grand ben, ils se prenaient une flèche là sur le côté ils sortaient un peu de sang et dix minutes après ils étaient par terre comme un petit enfant incapable de bouger et ils mouraient ils avaient au chéol où ils apprenaient leurs propres limites. Donc voilà la première façon. Deuxième façon. Quand on est humble de cœur, qu'on a vraiment le cœur droit comme le bon larron, eh bien Dieu peut envoyer des épreuves pour augmenter le désir de Dieu. Ça, c'est arrivé en Israël à l'époque du roi Josias. Rappelez-vous, Josias c'est le Saint Louis des Juifs. Il convertit son peuple il supprime toutes les idoles d'Israël. Cinq ans plus tard, il est tué dans un attentat par le Pharaon. Cinq ans plus tard, Nabuchodonosor attaque Israël et détruit Jérusalem. Le peuple ne comprenait pas. Ils ont été déportés à Babylone. Ils disaient « Mais pourquoi alors que nous, on, essaie, on venait de se convertir ?» Et c'est là que le prophète Daniel a sorti sa fameuse phrase « On a compris ». Ce qui te plaît, Seigneur, c'est pas le sacrifice d'animaux comme on faisait avant, mais c'est un cœur modeste, un cœur humble devant Toi. Reçois-le comme un sacrifice d'agneau gras par milliers. Donc, le peuple d'Israël converti par l'épreuve qu'il avait envoyée, rendu, Dieu l'a rendu encore plus humble et assoiffé que le Messie vienne. Deuxième façon, troisième façon pour nous, quand Il veut, quand Il voudra, mais là par contre... Hein, cette nuit de l'esprit, mon conseil à moi, c'est de ne pas la demander. Ça ne, ça ne nous appartient pas. Dieu sait ce qu'il fait. Mais plutôt de demander à la Vierge Marie, je pense hein, sincèrement, de ne pas l'envoyer quand vous êtes père ou mère de famille avec charge d'enfant. Peut-être à 80 ans, 85 ans. C'est pareil, hein. Vous savez, l'euthanasie, par exemple, que les gens font, les personnes âgées font maintenant, c'est une erreur par rapport à ce que je viens de dire. Quelquefois, les 15 derniers jours de la vie, qui sont une kénose, vous êtes des déambulateurs et des couches-culottes, et vous êtes ancien chef d'entreprise de Bouygues Telecom. C'est vrai, hein C'est terrible. La kénose, on l'apprend par ça. Et donc, ceux qui s'euthanasient, ils perdent les 15 derniers jours de leur vie qui leur auraient appris plus que tout le reste de leur vie. Donc, nous, chrétiens, quand on comprend ça, alors on prend, comme dit la Vierge Marie, les épreuves que le Seigneur veut bien nous envoyer en sachant ce qu'il veut pour nous. La Sainte Vierge, vous vous rappelez, c'est par l'apparition de Fatima acceptez les épreuves que mon Fils voudra bien vous envoyer. Vous trouverez ça sur Internet. Hein. Voilà l'explication. Mais attention, la plupart des épreuves, non. Elles viennent de notre vie, on sème le vent, on récolte la tempête, la vie est faite comme ça pour produire ses épreuves. Mais parfois c'est lui. Puis d'abord c'est toujours lui puisqu'il pourrait les empêcher. Il est tout puissant. Mais voilà la logique. Ça va J'ai répondu. Voilà. Oui, exactement comme dans le mariage. Je suis sûr que si vous êtes marié, vous avez constaté, hein, donc par exemple, vous avez 15 ans de mariage, c'est sûr que le plaisir sentimental du début, vous ne le voulez pas, mais ce cochon oublie votre anniversaire. Vous lui faites une scène carabinée parce que, quand même, hein, moi je fais la cuisine et tu oublies l'anniversaire. Ça veut dire que ça revient, c'est pas gagné. Quelquefois, on les repasse plusieurs fois, tout simplement parce que l'orgueil, il repousse. Vous savez, dans l'Apocalypse, quand il est dit que la bête a sept têtes et dix cornes, la tête repoussait, la tête qui avait été blessée à mort. Ben, C'est notre orgueil. Donc on peut repasser parfois par des, des nuits d'essence. Quelquefois, trente ans après, on est encore dans la nuit d'essence à vouloir du plaisir sentimental à l'Église. C'est le cas des évangéliques particulièrement. Hein alors par contre par contre je crois que euh, comment dirais-je quand vous avez passé la nuit de l'esprit avec une vraie désespoir, en général euh, c'est gagné quoi c'est à dire que on a changé comme je vous ai dit, hein. on a changé, on n'est plus le même, quoique ça revient parfois une, une, une dépression il y a trente ans, on peut l'oublier et on retombe dans son orgueil alors que ça recommencera à la fin de la vie oui, pourquoi pas? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus Ça y est. N non. Voilà. Exactement comme dans le mariage. Si jamais vous êtes tombé amoureuse de votre mari, vous n'avez pas connu les trois premières demeures. Vous allez directement dans la quatrième demeure. Si jamais votre conversion est venue par un moment, vous n'étiez pas chrétienne, et tout d'un coup, il a surgi dans votre vie avec une sensation de présence ici, ou alors une lumière dans l'intelligence ici, vous êtes directement dans la quatrième demeure, vous n'avez jamais connu les trois premières demeures. Les trois premières demeures sont réservées aux chrétiens de naissance qui n'ont pas connu ça. Et vous, mon père, d'après ce que j'ai compris, à un moment donné, il est revenu vous chercher. C'est-à-dire que vous avez connu la quatrième demeure, à un moment donné. Donc, ça peut arriver qu'on va en agence matrimoniale, on connaît sa femme là-bas, son mari, et puis on tombe amoureux de son mari, quand même, même si on l'a rencontré par agent. Maintenant, tout existe. D'accord Par contre, alors regardez, c'est quand même habituel, c'est des lois générales. Ça veut dire que la plupart d'entre nous, disons 80%, quand vous avez eu une conversion avec de la présence sensible du Seigneur, après, il y a eu une nuit d'essence. De même, les couples qui sont formés où on était amoureux fous, il y a eu dans les trois années qui ont venu souvent une chute des sentiments. Pas tout le temps, mais c'est pour ça que ce sont des lois générales, c'est de la psychologie, si vous voulez. Général, ça veut dire 80%. Donc c'est très pratique, ces demeures de Sainte-Thérèse. Mais si vous tombez un jour sur une personne qui a eu la nuit des sens, euh, pardon, qui n'a jamais eu la nuit d'essence parce qu'elle a aimé le Seigneur d'un coup par une lumière X c'était paisible ben vous direz ben oui vous n'avez pas connu la nuit des sens vous êtes allé directement à la cinquième demeure c'est bien c'était c'est rare et vous êtes souple comme ça très humble mais vous pouvez aider les gens ça va c'est souvent trop tard ça veut dire que si je parle maintenant de ça c'est comme le seigneur dit tant que vous avez la lumière cherchez la lumière pourquoi je parle de la souffrance et de la nuit de l'esprit parce que j'espère que nous ne sommes pas encore dedans donc il faut le savoir pour raisonner mais quand on est dedans quand on est dedans c'est souvent trop tard d'ailleurs vous remarquerez il y a souvent des personnes qui, qui vont visiter des personnes âgées pour les préparer à la mort, mais elles n'ont pas gardé la foi dans leur jeunesse. Elles ne la retrouvent pas. Elles vont vivre une mort sans le Seigneur. Quelquefois, elles la retrouvent quand même, mais souvent, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux y réfléchir maintenant. Par contre, regardez l'erreur. Si ce que j'ai dit maintenant était mal compris, je suis sûr que certaines personnes diraient Moi, je veux devenir kénos pour toi, je te demande la nuit de l'esprit. Mais non, mais non, il ne faut pas. Il s'en charge. Nous, l'effort d'assez qu'on a à faire, c'est devenir humble. Et pour ça, il se charge. Quand on va bien, qu'on se comporte bien chrétiennement, vous avez remarqué, on tombe dans un péché, plof, juste au moment. Donc, qu'est-ce qu'on fait Grâce à ça, on développe l'humilité. L'amour, quand il est trop fort, devient orgueilleux. Donc, le Seigneur nous fait tomber. Mais s'il y a trop d'humilité, qu'on passe notre temps à nous regarder parce qu'on est pécheur, on devient tout triste et tout gris. Donc, c'est un équilibre entre les deux pieds que sont l'amour qui nous fait grand joyeux et l'humilité qui nous montre qu'on n'est pas arrivé. Pour ça, il y a la confession. Le Seigneur nous éduque par là. Donc, notre effort à nous, c'est de devenir humble et aimé. L'akénose, il s'en occupe. Mais il faut le savoir. Parce que si vous le savez, quand ça viendra, ça sera beaucoup plus facile. Ça a un but. Donc, c'est lumineux. Donc vous vous dites, il est en train de préparer mon cœur, je veux bientôt le voir de l'autre côté. Ça va Oui hum Oui. Mm. oui. Oui, et c'est pour ça que quand vous êtes devant une personne qui a une grande épreuve, mais qui n'a pas cette capacité de foi, de logique comme ça, surtout quand on va bien, il ne faut pas lui parler comme je viens de parler. Il ne faut pas lui parler comme ça. Il y a un langage pour ceux qui. Ce langage-là est ce que saint Paul appelait le scandale de la croix. Le scandale de la croix. Ça veut dire que et perpétuellement depuis Jésus. Cette croix que le Seigneur, je répète, nous envoie est un scandale. Surtout quand, par exemple, vous regardez ben, les croix terribles qui sont tombées sur certaines gens. De l'autre côté, dans l'autre monde, quand on sera là-bas, tout deviendra clair et on dira Mais oui, le Seigneur, j'ai vu que tu me dirigeais par des épreuves et des joies que tu, que tu m'envoyais par ton ange et que tu, ou que tu laissais faire par le monde. On le verra, ça sera clair donc si j'en parle comme ça maintenant c'est parce que évidemment je m'adresse à des personnes qui vont bien d'accord si jamais vous êtes à l'hôpital que vous allez visiter une femme une personne à l'hôpital il ne faut pas lui parler comme ça donc c'est théorique théorique c'est pour comprendre ce que disait le père hein, apologétique comprendre la logique de tout cela mais pastoralement vous avez absolument raison on fait autrement Bien sûr, puisque je vous ai dit qu'il n'y a pas que des chrétiens sur Terre. La nuit de l'Esprit, puisque Dieu veut sauver tous les hommes, peut tomber sur les mauvais, sur les justes qui se comportent bien mais sont, ne connaissent pas le Christ, et sur les chrétiens. Puisque tout homme, Dieu veut les diriger vers le même salut que je viens de vous indiquer. Donc par exemple, regardez, vous vous rappelez le film Titanic il y a une scène qui me choque quand, à un moment donné, Rose, la femme qui était fiancée avec un homme très riche qui pensait qu'à l'argent sur le Titanic, dit Ah, en 29, j'ai appris qu'il a tout perdu à la bourse. Et il s'est tiré une balle dans la tête et elle a un petit rire. On ne rit pas de la souffrance des avares qui perdent leur trésor et qui se suicident parce que c'est une nuit de l'esprit. Dieu est en train de leur arracher leur trésor pour. Les libérer de leur orgueil. Mais cette croix-là est la croix du mauvais larron. Ce n'est pas notre croix à nous. Donc, quand on est passé par la nuit de l'esprit, on est plein de miséricorde pour nos, nos frères qui ne connaissent pas le Christ. Mais Dieu ne va jamais lâcher jusqu'au bout un orgueilleux pour essayer de le libérer de son orgueil. Je dirais même que le sacrement de mariage en est le signe. Vous savez, quand on nous appelle, à rester fidèle à un conjoint qui est parti depuis 15 ans et qui est avec une poufiasse à Berck-sur-Mer. <laughs> Vous comprenez Et qu'on nous appelle à rester fidèle à elle. Pourquoi C'est pour nous signifier que Dieu jamais ne renoncera à essayer de nous sauver, même quand on est méchant. Ce n'est pas sous peine de péché hein, ce que je dis là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le sacrement de mariage est le signe de cet amour de Dieu qui essaye de sauver tous les hommes, y compris les hommes orgueilleux. Donc l'épreuve peut frapper tous les hommes. Quand elle frappe les chrétiens, oui, ça peut durer. Quand on s'obstine à dire, moi je suis un type bien. Donc la dame dont je vous ai parlé tout à l'heure, rappelez-vous, la dame qui était assez orgueilleuse avec son père spirituel, il n'arrivait pas à la faire évoluer. La dépression est arrivée. Est-ce que c'est Dieu ben, Vous avez raison, c'est peut-être la vie, je ne sais rien. Dans 99% des cas, c'est que ça ce qui se passe. Ils laissent faire les lois de ce monde, ils se cachent, mais ils pourraient les empêcher. Donc Job priait Dieu. C'était Dieu, il savait que c'était lui parce que Dieu est tout puissant qui pourrait empêcher l'épreuve. il l'a fait, il a guéri des bébés. donc s'il ne le fait pas, c'est que c'est à lui qu'il faut poser la question, disait job, et il avait raison. mais c'est mystique évidemment hein vous comprenez ça va, j'espère que c'est bien bien clair, hein c'est une théologie mystique pour comprendre.